présence comme toujours. Et je devinais qui aujourd'hui prenait un seul sujet pour la conférence de presse du MMM. C'est le projet de loi, l'ODPP, de la création d'une commission. C'est bon qui nous fait la différence entre le fond et la forme. Le fond qui peut proposer dans la loi là, la forme, la façon de faire. Le rush, la façon de faire, qui tout le monde peut condamner. N'importe qui dit monde raisonnable, dit bien condamne le rush. Il n'y a aucune raison pour agir comme ça. Et me saluer donc, une personnalité qui ne prend position, avant tout le Bar Council, et nous connaît qui le Bar Association, tout mon avocat peut joindre à nouveau lundi, mais le Bar Council, il ne prend position contre sa rush là, une personnalité légale, comme Hamid Moulan, Gavin Glover, Antoine Domingue, Richie Persem, et d'autres, finissent pas en position. Avant tout contre le rush, la façon de faire, inacceptable, mais aussi sur le fond de ce qui est proposé. Pour nous comprendre, quand nous étions, moi, on pensait qu'il est indispensable de nous retourner en arrière, ça veut dire la situation qui existait avant le jugement du Privy Council dans l'affaire Moït de 2006, pour nous comprendre qu'il y a la situation développée depuis ça. Avant l'affaire Moït devant le Privy Council en 2006, puis le Privy Council rendait un jugement, le pouvoir du DPP, avant ça, tenait l'opinion unanime. Tout le monde qui pensait que nos constitutions, comment l'y était, ben, le mot qu'ils mettaient dans nos constitutions, le DPP, c'est Enzimoun, et les peines pour rendre compte à personne. Personne n'a le droit de poser des questions, les peines pour rendre compte. Ah bien ça, naturellement, n'importe qui vrai démocrate, y compris le MMM, y compris moi, nous sommes d'accord. Et d'ailleurs, dans la réponse d'Aniroud Jagnat, même l'autre jour, là, l'Invindia, qui m'a dit en tant que Premier ministre, je vous dis, il n'est pas possible que Maurice, c'est le pays. Quand le DPP, Enzimoun, et il peut pas vous rendre compte, il peut pas droit poser aucune question. Il n'est pas possible. Et Maurice dit à lui, donc, il y a l'opinion unanime. Sa reading, sa interprétation de nos constitutions, là. Ce qui veut dire que, surtout comme petit Premier ministre, nous sommes fiers de ça. Nous nous rendons de bonne façon, nous nous rendons l'inspiration dans un pays des hauts, Grande-Bretagne, Canada, l'Australie, l'Inde, un pays démocratique. Et surtout du Commonwealth, nous nous rendons l'inspiration, nous discutons. Et nous demandons, le ministre de la Justice d'alors, le parquet, le State Law Office, étudier, produire un document. Et je t'en produire, une suggestion. Parce que le point clé là-dedans, c'est que quand l'élection vient en juillet 2005, moi je suis toujours Premier ministre, nous t'y peux discuter, mais le point clé, c'est quand les élections viennent en juillet, début juillet 2005, pas fin tous la Constitution, là où ça pointe. Là. En d'autres mots, il n'y a pas que suggestion, il y a un document qui ne prépare, une circulaire, il n'y a pas que suggestion, il n'y a pas que l'idée, mais pas qu'il n'y a aucune décision du gouvernement d'alors, du gouvernement MMM, MSM d'alors, et de moi-même en tant que Premier ministre. Et pour que les choses bien claires, dans mon PNQ, moi, je dis mon Aniroud Jagnat, mais rendre public tout ça, un document qui ne produire. Il refusait, mais il fait faire preuve aussi, moi c'est honte pour lui, il fait preuve d'une mauvaise foi, vraiment de bas étage. Non seulement il refuse si il trouve un document pour que tout le monde trouve qu'il peut discuter, etc., mais il m'aurait dit, il n'y a aucune décision pas qu'il prend. Il fait preuve, il n'y a tout refuse si il tout document, mais en plus il fait preuve d'une vilaine mauvaise foi de bas étage.
Donc, quand élection juillet 2005 vini, pas-t-il ne propose aucun amendement précis, le gouvernement MMM, MSM, pas-t-il ne propose aucun amendement précis, nous allons dans l'élection, donc, de juillet 2005, et c'est après que Privy Council prononce-lui dans l'affaire Moïse. Et définitivement, ce qui nous vient bien comprendre, c'est que c'est un tournant. Ce que le Privy Council dit, c'est vraiment un tournant. Parce qu'il vient dire carrément non. Le DPP, Jimoun a le droit, challenge-li, demande-li, demande éclaircissement à travers le judiciaire, judicial review. Mais le jugement du Privy Council, carrément. Un tournant. Et prend, quand il fait affaire de toute l'opinion unanime qui tient avant, qui dit pipi, pas capable de poser aucune question, puis n'a aucun compte pour rien, faire tout cela caduque, une chose du passé. Et donc, le jugement du Privy Council, un tournant. C'est vrai qu'il est lourd, poil devant la Cour suprême, poil challenge, bonne décision, une décision du DPP, il est lourd comme procédure. Mais le Privy Council ne permet aucune restriction l'urbaine raison pour laquelle quelqu'un est capable devant la Cour suprême. Il fait rien de devoir ne pas mettre aucune restriction. Nous venons le présent maintenant. Le MMM s'opposition nous carré contre sa rush. Il est dangereux, il est inacceptable, sa rush manière de faire là. Il est totalement inacceptable, il est dangereux. C'est un manque de respect à nos constitutions et à la Cour suprême. Ça pour la forme, la façon de faire, nous complètement contre. Maintenant, sur le fond, nous open-minded. Comment nous sommes open-minded jusqu'à l'élection 2005? Nous open-minded, mais nous contre la commission qui peut proposer, dans ce qui peut proposer dans la loi, y compris dans la Constitution, la création d'une prosecution commission, comment l'y proposer, nous compte, ça nous compte. Mais sinon, d'une façon générale, nous restons nos positions du passé, c'est-à-dire nous open-minded, nous get ce qu'il y a dans tout un pays démocratique. Et nous venons avec une proposition bien discutée, bien réfléchie, bien discutée. C'est à tout ce qui peut proposer là. Franchement, peut touffe le DPP. Sa commission qui proposait là, ben, il touffe le DPP complètement. Et en plus, il prend en gauche le système complètement. Pour toute qualité de challenge devant sa commission-là, tout le système pour bloquer. Et il y a une affaire aussi qui met moi mal à l'aise, mon besoin de dire. Sa commission-là, il est pour nommer le Prosecution Commission, il est pour nommer par le Judicial and Legal Service Commission. Très bien. Non problème. Le Judicial and Legal Service Commission, il est composé du chef juge, du numéro 2 dans le judiciaire, celui qui vient immédiatement après le chef juge, d'un Jimoun autre, proposé par le chef juge, et le président de la Public Service Commission. Mais ce qui, de mon point de vue, un certain manque de respect vis-à-vis du chef juge, vis-à-vis du Legal and Judicial and Legal Service Commission, mais vis-à-vis du chef juge, c'est que la loi la prévoit. Si dans un délai de 90 jours, après qu'il nous vote la loi là, si dans un délai de 90 jours,
le Judicial and Legal Service Commission pas nomme sa trois dimoun là, sa trois anciens juges de Maurice ou du Commonwealth. Ah ben là, laisse tomber Judicial and Legal Service Commission. D'une façon assez cavalière, laisse tomber. Là, il y a un Appointment Committee qui peut nommer sa trois membres. Un Appointment Committee composé de la présidence de la République, du Premier ministre et de leader de l'opposition. Ça m'en dit prévoir. Qu'il y a une simple majorité, quorum. Dès le 3, c'est le quorum et prend décision. Il est vilain tout ça là, surtout comme on peut dire vis-à-vis du Judicial and Legal Service Commission. Elle est capable de mettre la présidence dans une situation bien, bien embarrassante. Un leader de l'opposition, il a une forte objection, il ne comprend pas. Voilà qui est la présidence de la République, disait à side avec le Premier ministre. Elle est capable dans une circonstance délicate. Donc, à part d'être contre sa commission-là, fondamentale, mais il y a certains aspects en particulier, comme on m'a pu dire. Ensuite aussi, Libon posait une question qui fait 3 ans. Là, tout ce qui n'arrivait avant 3 ans, out. Qui fait 3 ans. Est-ce qu'il peut tirer certaines caisses? 3 ans. Une décision qui dit pipine prend. Ces dernières 3 années, ça pour gagner droit à le challenge devant sa commission-là. Et en plus, le DPP pour vous soumettre un rapport à la commission. Le tout va une décision qu'il ne prend pendant ces 3 ans. Il y a ces 3 ans-là, targeted. Et nous connaissons qu'il y a ces 3 ans-là, il y a 2 ans après l'élection générale. Il y a un an avant, mais il y a 2 ans après l'élection générale. Donc, Moredi Ali, nous, au MMM, nous compte totalement sa rush, façon de faire, sa rush, avec lesquelles peut faire les choses. Sur le fond, nous, open-minded, comme on était dans le passé, mais nous compte ce qu'ils ont proposé en termes de commission, et bien, détail de sa commission. Mon quatrième point, c'est qu'il faut dire les choses en face, il faut dire la vérité. Qui a une vraie raison derrière ce qui peut arriver? Qui fait je peux target le DPP? Qui fait payer dans sa rush là? La vraie raison, c'est que le gouvernement en place peut régler son compte avec DPP. Je t'en rasé parce qu'il. Un cas après l'autre contre Navin Ragoulam, il tombait. J'étais salolé d'ODPP. Et deuxièmement, j'étais rasé qui, DPP, décide pour faire l'appel devant Privy Council contre jugement la Cour suprême de Maurice dans l'affaire Medpoint, Pravin Jagnan. En vérité, nous disons que les choses en face. C'est ça les vraies raisons de ce qu'ils ont pu faire. Ils ont rush. Et qui fait un target DPP dans sa façon-là. Et ça, c'est inacceptable. Et ce faisant, on y a fait un gouvernement. Il y a quelque chose qui, en passant, nous, il y a dit, on fait perdre tout sens de la décence. Parmi mon case, au cœur de tout ce problème-là, c'est Pravin Jagnat, Medpoint. DPP pour faire l'appel devant Privy Council, il annonce son intention, faire l'appel devant Privy Council contre le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Medpoint, Pravin Jagnat. Il y a un key point. Et voilà-t-il pas qu'un gouvernement, le gouvernement actuel, nomme un comité ministériel pour guetter tout ça là, on a Pravin Jagnat là-dedans. Mais il y a même la décence pour réaliser qu'il y a un conflit d'intérêts clair, majeur,
c'est une indécence. Me demandez aussi qui nous fait une différence entre la personne du DPP à un moment donné, parce qu'il y a une DPP, une sans aide, mais nous bien faire la différence entre la personne et le poste constitutionnel du DPP. Et nous avons dit dans le gouvernement clairement, ils ont tellement la haine pour le DPP actuel, ils ont perdu sur tout sens de la mesure. Je mélange complètement la personnalité, la performance du DPP actuel avec le poste constitutionnel. Peine à droit à faire ça. Je me rappelle, avant-dernière élection, moi-même, je challenge, je critique. Là, plusieurs questions, je critique le DPP actuel. Mais je fais aller selon la forme. Il ne faudrait pas qu'Ivan Dimoun laisse emporter par la haine, par la passion. Il est très dangereux, mélange le poste constitutionnel avec la personnalité et la performance du DPP actuel. Finalement, nous demandons une suggestion solennelle. Ce qui renvoie les débats. Il n'y a aucune raison pour rush comme ça. Tout le monde condamne ça rush. Il n'y a aucune raison pour là, mercredi prochain. Finir ça. Et encore, nous supposons finir ça après passer un nouveau sports bill. Un siècle, les ont dit. Nous supposons donc mercredi prochain. Ça aussi rush through. Après, finir le sports bill. Donc, nous demandons. C'est renvoyer les débats. Des ans passés depuis la dernière élection, pas une énorme consultation. Un avocat, bar council, bar association, je peux dire même affaires, pas une énorme consultation nécessaire. Un monsieur ami de Moulin, je peux dire même affaires. Donc nous demandons, c'est renvoyer les débats. Prends le temps de bonne consultation à tête reposée. C'est la demande solennelle qui, en tant qu'il est de l'opposition, et que le MMM fait au gouvernement. T'allais à nos bureaux politiques pour joindre, et nous pour rejoindre lundi pour nos bureaux politiques normaux. Mais nous faisons tout à l'heure d'urgence, en attendant de passer le week-end en consultation, en réflexion, y compris l'aubaine possible action commune avec les autres partis de l'opposition, qui comptent carrément, comme nous, comptent sa rush-là et comptent la commission proposée. Donc nous vous discutons dans le bureau politique aujourd'hui, nous passons le week-end en consultation, en réflexion, nous pourrons venir là. Et dans l'intervalle, pendant le week-end, nous pouvons aussi avoir contact, nous finissons avoir contact ces dernières heures, nous pouvons avoir contact avec certaines, les autres partis d'opposition, et lundi, nous allons guetter côte, nous finissons arriver. Mais nous demandons, solennel, totalement raisonnable, c'est pas rush, renvoyer les débats pour une consultation élargie, approfondie, et pour que les choses se fassent dans la sérénité et non pas dans le climat actuel. Merci. Donc, comme on dit, vu l'importance du sujet aujourd'hui, nous vous causons ce là. Je suis fini avec ça. Bon, je ne peux pas couper la langue non plus, s'il y a une question qui se les poser, mais je ne peux pas pour rendre facile d'emmener les autres. Alors, si vous pouvez me donner ta parole, si je t'ai une question, alors, la loi qui peut venir, donc qui circule, qui peut venir,
et nous avons une position qui nous fait adopter dans le passé et qui nous a adopté maintenant. En plus, le principe est le fond pour la roue qui est un contrôle de l'individu. Mon Dieu, d'abord, non, mon Dieu, c'est nous, et mon fier. On ne pas hésiter pour dire mon fier, qui en tant que Premier ministre, c'est moi qui mette les choses en branle pour qu'il nous dépasse la situation qui existait avant le jugement de Premier Council dans l'affaire Moïse. On peut dire ce que je me disais tout à l'heure, c'est que Tiena a une opinion unanime qui le dit public, qui ici est un Selzimoun, et n'a ailleurs côté collégial. Pas un Selzimoun, mais ici, dans la Constitution, un Selzimoun, et à l'unanimité, tout le monde s'est interprété, qui, pas qu'à cause d'aucune question, il fait aucun compte à rendre. Nous disons compte ça, nous compte ça, mais dans l'intervalle, comme on dit, il y a un tournant, il y a l'affaire Moïse. Et il y a du monde qui pensait que, mais non, maintenant qu'il finit le jugement du Premier Conseil dans l'affaire Moïse et qui n'importe qui s'est capable de challenge du pipi devant le judiciaire, bah, judicial review, et il y a du monde qui pensait pas besoin de plus. Il y a une opinion. Pas besoin de faire rien de plus. Laisse le judiciaire. Il y en a d'autres qui disent non, nous sommes capables, à part le judiciaire, propose certaines petites choses. Mais nous, nous comptons carrément le rush et la commission qui fait proposer. Il n'est pas à nouveau sa commission, hein, ce qui était avant. Dans l'intervalle, cette idée-là, c'est le jugement du Premier Council dans l'affaire Moïse. Mais respecter l'opinion, c'est un animal qui dit, mais non, avec sa jugement du Premier Council dans l'affaire Moïse, ben maintenant il y a le judiciaire, et m'aurait dit à lire, là aussi, Alimoun Jack Nato, parlement, répondant à mon bien, tu filmes de mauvaise foi. Parce que quand nous lire, le jugement, oui, le jugement Premier Council, il est clair que Premier Council ne peut mettre aucune restriction à la base pour lesquelles qui est capable devant le judiciaire. Il ne peut mettre aucune restriction. Il nous donne la liste, pas quelque chose, 1, 2, 3, 4, 5 points pour lesquels clairement capable devant le judiciaire, mais le Privy Council prend la peine ajoutée there may be other circumstances not precisely covered by the above in which judicial review of a prosecutorial discretion would be available. Vous avez bien dit, voilà, cinq points dans lesquels clairement on a un droit devant le judiciaire pour challenge le député, mais le Privy Council garde ouvert. Ça m'a dit pas quand même pas ça non plus. Et ça n'est pas arrivé avec sa commission là. Tout avocat pour demander la commission casse les décisions du PP. Tout le monde innocent là. Et nous connaissons la capacité de demander avocat pour pas de point, etc. Là, comment il était là, c'était une recette pour une congestion totale. Tout point gorosé. Ça nous raconte l'eau de Manabo. Je fais un travail. Je peux bien entendre même aussi là. Mais évidemment, mon Dieu. Mais bien sûr. Mon père dit, vous avez fait une différence entre quelque chose dans le rush. Mon pensée, c'est à part dans le monde dans le gouvernement, ça rush. Sa précipitation avec laquelle il fait les choses. Là, tout le monde compte. Tout le monde compte. Et tout le monde qui est raisonnable, il compte. À part ça, et non, on peut dire, nous ne sommes pas d'accord avec la commission. Et ça va dire qui m'ont cité là, certains, pas de grands avocats, pas de légistes, etc., avec raison, sont dans la même position. On n'est pas d'accord avec l'institution commission, mais on n'est pas d'accord avec la façon qu'ils nomment. Non, on n'est pas d'accord. As of now, on n'est pas d'accord du tout avec
l'existence d'une commission qui nous vient plaquer l'eau du pic. Voilà qu'on dit tout. Des tout le DPP, et tout le poste, il tout il dit, et en plus, il provoque, comme on dit, un engorgement total de tout le système judiciaire. Quand on dit que vous recevez le débat sur le fond, à quoi vous pouvez penser? Mais pas vivant, à cause de ça même, on dit de manière à Nérodjak, là, c'est qu'il y a tout un document. Et dans un pays, quand on y a un dimon, prend des décisions, comme dit Pipi, les collégiales. Et dans un pays comme il y a deux ou à trois. Mais que sa fonction de prosecuting ou notre prosecuting là, il repose au lieu de l'eau. Un dimon, les collégiales. Nous devons look into that avant l'élection 2005. Entre autres, si je n'ai pas une décision rien, mais c'est. Il existait dans d'autres pays. Il y a d'autres possibilités. En ce qui est proposé là maintenant, et que tu travailles en 2005, il y a un point fondamental qui est différent. Totalement différent. Totalement différent. Sa qualité de commission, flatter l'eau. Et faire attention, nous faisons ancien juge, pas juste de Maurice. Du Commonwealth. Mais dans le Commonwealth là, nous dans le Commonwealth, nous, dans le Commonwealth là. Vous pouvez pas nommer aucun pays, mais il y a un pays complètement dictatorial dans le Commonwealth. Malheureusement, il y a une monarchie absolue dans le Commonwealth. Quand vous parlez d'un ancien chef juge de tel pays, moi mon pays, si tu peux ça passer dans le Commonwealth. Et ça a différé. Oui. Comment vous dites quoi? Mais mon corps, c'est intelligent. Vous connaissez peut-être une connerie. Vous pouvez le dire 10 fois, mon Dieu, mais vous paraît que vous comprenez là. 10 fois, mon Dieu, qui, en 2003, aucune proposition précise du gouvernement MMMSM ou du Premier ministre alors, pas t'y faire. C'est pourquoi d'ailleurs, mon Dieu, il y a un circuit de tout bon document. Non seulement il refusait, mais il a une mauvaise foi mesquine. Il n'a rien à voir avec ce qui fait discuter en 2003. Aucune décision pratiquement. Mais maintenant, aucune comparaison de ce qui fait discuter en 2003 et ce qui se dit dans mes villes là pour création de sa commission. Vous dites qu'il est vrai que le recours à une révision judiciaire est capable d'être lourd. Oui, mais dit normal, non? Sans quoi, pour mon pédiatre, nous pouvons guetter si je parle de l'avant. Vous guettez combien de cases pour atterrir devant sa commission-là? C'est pas un avocat. Mon Dieu, c'est là qui fait son travail. Quand on lit ce qui diagnat, qu'est-ce qu'il y a? À niveau diagnat. Ah, c'est trop difficile, pas devant le judiciaire. Bien, il y a des moyens d'affaires automatiques. À devant sa commission-là. Mais nous vous débouchons un chaos judiciaire. Chaos, pas chaos, hein. C-H-A-O-S. Ça fait chaos aussi. Après, mais d'abord, chaos. Et quand vous évoquez une action commune avec les autres coachs de l'opposition, qui va en action là, donc ils ont parlé. Il est capable d'une action judiciaire, il est capable d'une action symbolique, il est capable d'une action dans la rue. N'a guetté. Mais à ce stade, nous pas encore, nous pas le plus vivant. C'est sur plus seul la forme, M. Moses. Hein? C'est sur plus seul la forme, parce que. La forme de quoi? Non, non, action commune, sur plus seul la forme de ce que le gouvernement veut proposer. Mais là, la forme, là, donc contre. Si il y a une action commune, c'est contre le rush et le contenu de sa commission qu'ils ont pu créer.
CNN, action commune. Moi, disons, mon garde espoir, c'est pourquoi on fait de l'appel. On félicite pas une personnalité. La bonne personnalité qui, normalement, pas rentre dans le domaine public comme ça. Il faudrait qu'ils soient vraiment bouleversés. On salue, on félicite. Pas le juriste, pas le légiste, pas une grande personnalité qui est déjà en position. Avec l'histoire, il en a certaines fois sur responsabilité vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de nos constitutions. Moi, je souhaitais, moi, qu'il y en a d'autres qui prennent position entre maintenant et lundi, mardi, mercredi. D'autres personnalités, pas une grande personnalité, pas une juriste, pas une légiste, etc. Et mon cas d'espoir, que le gouvernement pour réaliser qu'est-ce qu'il peut faire pas bon et qui donc renvoie les débats et take time. Ça qui m'a souhaité, c'est pourquoi nous pas faire rush pour envisager une action commune, nous peut réfléchir, nous peut discuter, mais mon grand espoir que le gouvernement pour renvoyer les débats et donne le temps avant une consultation et qui décide à peut-être reposer dans la sérénité. Et ce contact-là, vous servez à ces 5 députés indépendants, non, ou bien c'est indépendant même? Est-ce qu'on a... Vous déclarez comme indépendant, tous les 5, tout le monde responsabilité, tout le monde est satisfactoire. Hein. Mais... On ne pas connaître si il y a la loi à nous, au pays, hein. Mais on doit y aller. Mais si il y aller, c'est difficile. Mais en tout cas, nous parlons devant une partie d'opposition. Et ben, si moi, je parle devant une partie ou pseudo-partie d'opposition, ils vous plaisent, ils vous. Donc, on reste dans une généralité, une partie de l'opposition. Mais mon père est dit, moi, mon garde espoir, mon optimiste de nature, mon garde espoir. Et c'est ainsi, quand l'origine est arrivée, quand le monde est arrivé, il n'est pas facile d'être optimiste. Le membre optimiste de nature, donc mon garde espoir que le gouvernement pourra envoyer les débats de mercredi. Vous pensez que la loi, là, est atomisée, si vous comprenez le terme, il existe un politique, et une politique même, il y a une manœuvre politique sur la loi. On ne dit pas la même chose. On dit ma vraie raison qui fait je peux agir, comment je peux agir. Ma vraie raison, c'est que je devais régler le compte. Avec l'équipe actuelle. C'est mon interprétation des choses. Je voulais régler ce compte avec l'équipe actuelle, ou deux choses surtout qui n'arrivaient. Un, moi, mon jet allait là, une accusation contre Navin Rambou, l'ami tombé un après l'autre, le chef de parole, l'Odi Pipi. Alors, qu'est-ce que c'est pas la police qui fait son travail avant? Si la police, il mal fait son travail. Ou bien si la police fait ce travail, il n'y a pas de tout, non, rien. Mais il faut une baisse, on dit qu'il y a un pas de target, il y a une pipi. Donc, moi, mon reading, c'est qu'il y a une vraie raison, c'est qu'il y a un peut les autres emporter par la passion, la haine pour les pipi actuels. Pour ce qui est arrivé dans le cas. Pas de caisse contre Amboula, mais aussi caisse Met Point. Dans la Cour suprême, nous en disons, dans caisse Met Point, Pravin Diagnac, et puis il dit qu'il faut faire appel devant le premier council. Ça me connaît, il en rase, ça va dire que là dans le gouvernement. Donc le risque là, c'est que tout le monde dans le jugement, tout le monde décision prend par rapport à Amboula, quand Prévin dans la table, et en même temps, Diagnac capable de faire. Là, n'importe qui s'est non capable d'aller devant sa commission-là, s'y créer, ou à challenge toute une décision qui dit Pipi prend pendant sa 3 dernières années. Il y a essentiellement depuis la dernière élection. Mais il veut dire ce qu'il veut dire. Ok. Mais le fait qui nous arrive à l'équipe, maintenant ce droit majorité 3 ans. Qui nous vient reconnaître, nous vient regretter plutôt le choix de vous, on va dire pour autant. C'est qui? Un tâche plaisir?
Une crise d'hystérie collective. Il a même nous côté là. Pourquoi quand on fait un débat, là, c'est bien direct, ça dit, nous, ah, mais chez un débat, il va direct là, hein? Maintenant, qui madame Almondi, une ouverte le show. Tout se pose en direct là, non? Tout débat se pose en direct. Clause 1 de la Constitution, la fameuse affaire Coirati, un jugement fondamental de Privy Council, ça, quand Privy Council, dans l'affaire Coirati, vient définir qui démocratie veut dire à Maurice. Première clause de la Constitution, Mauritius shall be a sovereign democratic state. Avec Privy Council, il donne substance à ça, avant qu'il vienne guetter les autres clauses aussi. Donc, moi, je n'ai pas de doute que si je parle de l'avant, il y a des gens qui parlent devant le judiciaire. D'ailleurs, je dis à ça dans l'eau confiante, je dis à Jacques Nade, est-ce que tout le monde de ce comité ministériel là conscient que selon toute probabilité, si je parle de l'avant avec sa commission-là, il faut finir devant le premier conseil. Parce que les bois devant la Cour suprême de Maurice, nous n'étions qu'arrivés. Et après la Cour suprême de Maurice, il y a un privy council, comme dans le cas Coirati, comme dans le cas Moïse.